C'est traditionnellement à Villèle que s'est déroulé le grand 20 décembre du conseil départemental afin de célébrer l'abolition de l'esclavage. Un travail de mémoire très important pour le président Cyril Melchior. Il nous convient de commémorer cet événement en hommage à tous ces esclaves qui ont été libérés, ces personnes qui ont été libérées à travers cette loi de 1848. Et cette liberté, bien évidemment, doit se construire, se rechercher continuellement. Et le département, encore une fois, participe à cet effort de mémoire. Bonne fête CAF à tous les Réunionnais, quel que soit l'endroit où ça se situe, à La Réunion ou ailleurs. Bonne fête CAF à Zot, mes chers amis Réunionnais. Les festivités ont débuté à la chapelle pointue avec la séquence symbolique et solennelle de l'enlèvement de leur chaîne aux esclaves, suivie de chants. Le cortège s'est ensuite rendu au camp Marron, puis s'est déroulé le fleurissement du mémorial. On a su aussi faire passer de génération en génération notre histoire. On avance chaque jour vers la lumière et avec aussi une force de transmission de notre patrimoine. Et c'est ça qui est important, c'est que on maîtrise notre histoire, on connaisse notre histoire pour tirer toutes les valeurs de ce qu'a connu nos ancêtres et qu'on puisse être encore plus fort pour affronter l'avenir. Le musée de Villèle deviendra bientôt le musée de l'habitation et de l'esclavage. À l'étage de l'ancienne maison des maîtres se dévoile la maquette du projet. On aura un grand bâtiment d'accueil qui rappelle donc ce geste emblématique du Morin, cet élan vers le ciel qu'on retrouve dans la structure du musée d'accueil. Et par la suite, on a toute une visite à la carte qui permet de se diriger vers cette grande longère qui est vraiment un point très important du projet où l'histoire de l'esclavage va être développée et qui est un point de transition entre le monde de l'usine, donc le monde servile où on va remettre de la canne à sucre, on va avoir des passerelles pour se balader dans les vestiges de l'usine. Cette longère permettra de traverser le site du monde des esclaves en allant vers le monde des maîtres et réciproquement permettra aux visiteurs d'avoir une vie complète pour ce futur musée de l'habitation et de l'esclavage et d'aller vers les anciennes cuisines avec de l'autre côté des cuisines, des ateliers pédagogiques où là, la culture créole, la culture de ce site va pouvoir être enseignée, partagée via des ateliers qui vont être menés. La soirée s'est achevée par un grand cabaret connecté.
Cette plante médicinale porte décidément bien son nom, le chanvre écorce. On l'appelle également le goyave marron en raison de sa ressemblance avec le goyavier. Parmi les 835 espèces végétales indigènes de la Réunion, ce petit arbuste qu'on retrouve dans les forêts de bois de couleur s'est développé sur l'île bien avant l'arrivée de l'homme. Mais les anciens se sont très vite appropriés les vertus médicinales présentes dans ces petites feuilles dentelées. Là, un petit pied de bois que l'on apprécie aussi dans la tisane réunionnaise, c'est le goyave marron. Rien à voir avec le goyave, peut-être des petites ressemblances, les petits fruits blancs ou les feuilles. Goyave marron, notre nom, c'est sans écorce. Quand il vieillit, le pied, il perd de l'écorce, c'est-à-dire le bon de l'écorce, il tombe, les gros écorces, il tombe. Donc il laisse le pied un peu de couleur blanchâtre, jaunâtre. Donc sans écorce ou goyave marron. C'est un petit pied de bois qui pousse en altitude dans toutes les forêts de l'île des Hauts où on trouve un pied de goyave marron. On a le petit et le gros goyave marron. Très apprécié comme rafraîchissant, le goyave marron. On utilise les feuilles. Donc on va prendre des petites feuilles de goyave marron comme ça, ou bien un petit cœur de goyave marron comme ça. Là, on a une petite tisane pour un bon litre à bouillir. Soit toute seule, 5, 6, 7 feuilles, soit à bouillir avec un petit peu de barbe maïs, de fleurs jaunes, ou à bouillir avec un petit peu de racines et de feuilles de fraises. Petites fraises, ils poussent dans la forêt, que de Mouni apprécie bien. Pas fraises crapaud, mais le bon petit fraise, que les bien sucrés qui poussent dans les hautes, qui trouvaient bon peu Maïdo avant, ou dans les hautes Sillaos, qui trouvent encore un peu, sur les sentiers, dans les randonnées. Donc le goyave marron, très connu ici pour ses vertus rafraîchissantes, très utilisé, associé avec d'autres plantes ou tout seul. À Madagascar, on l'a appelé le wafutsi, le goyave marron. C'est la boisson nationale. Bon, il boit ça régulièrement, il boit ça tous les jours. Ça aide pour le paludisme, ça aide pour éviter les fièvres paludéennes. Donc le wafutsi à Madagascar, c'est la famille, la même famille, le même qu'on a ici, on appelle ça goyave marron. Voilà. Ça, c'est un petit pied qu'on a quand même une dizaine, douzaine d'années. On a planté quelques goyaves marrons sur le terrain, mais il y en a bombé dans le bordure de la ravine. Et il pousse facilement dans la cour et il est joli quand il est en fleurs. Préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide qu'elle est là, nous verse dans la bouilloire et dans cette bouilloire en même temps nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville par exemple, des zambaville et fume-terre. Hein, zambaville et poc-poc là pour laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près un litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien décoction pour le bain. Un litre et demi. On peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc. C'est poc-poc. Hein? Marmaille qui ne connaît pas poc-poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc-poc? Il trouve ça dans le carocande, mais pas dans n'importe quel carocande, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc veillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous fait une petite préparation, nous peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Nous la verse de l'eau dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans. Nous recouvre la casserole, le bouilloire. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. Nous fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Nous chauffe. Nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5, 7 minutes, 10 minutes. C'est bon. Attention, l'écorce de goyave marron les peut faire vomir, à ne pas utiliser. Utilisez les feuilles, mais pas l'écorce. L'écorce les vomitifs. C'est un petit pied de bois assez résistant. Un joli petit pied de bois. Les feuilles les brillantes. Et il pousse facilement dans un jardin, dans les hauts comme dans les bas.
Ils étaient 478 coureurs à participer à la deuxième édition du Trail de Villèle ce dimanche 12 décembre. Une course de 24 km avec comme lieu de départ le fond de mer de Saint-Paul et une arrivée au musée historique de Villèle. Courir en liberté, une épreuve qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En tant que conseillère départementale déléguée aux activités de pleine nature et passionnée de trail, Valérie Rivière était présente parmi les participants. Franchement, je salue les bénévoles et l'organisation ainsi que la Ligue réunionnaise d'athlétisme. Ça a été super vraiment de fermer la route par exemple du Cap Laoussé pour qu'on puisse courir librement. Donc on a retrouvé donc, les valeurs qui prônent à travers ce trail, donc la liberté d'avoir la route entièrement pour nous, donc ça c'était beau. Et puis après parcourir tout le Cap Laoussé, la savane, ça a été quand même un peu dur parce qu'on est en mois de décembre et c'est vrai qu'il a fait très chaud. Mais voilà, c'est la même image que les marrons, hein, les esclaves marrons vivaient cette difficulté donc à monter dans les montagnes. On a parcouru, on a fait notre chemin de croix aujourd'hui sur 24 km pour arriver sur ce beau site du musée de Villèle. Et je salue l'organisation et les bénévoles et tous les agents du département pour cette superbe organisation. Vraiment rien à redire. C'était un plaisir de participer à une course organisée par le département sur les traces de l'histoire de l'esclavage. Ça fait mal. C'était une course qui faisait mal, mais une source extraordinaire. On a vu la mer, on a vu la savane, la biodiversité, la richesse de tout sur ce que les espaces naturels peuvent nous offrir en si peu de temps et bien nous faire du mal. Donc c'était très chouette et c'est vraiment une belle manière de finir l'année et de fêter le 20 décembre, ici à Villèle. Nouveauté cette année dans le monde du trail, l'éco-dossard, un projet écologique et économique. Nous, cette année, on a mis un principe en place, donc c'est la sortie de l'éco-dossard. C'est sorti, ça fait déjà 3 mois exactement. L'objectif là-dedans, c'est que l'éco-dossard, la personne achète un dossard, il vient que pour courir. Il ne va pas chercher son dossard ni à Saint-Pierre, à Saint-Paul et tout ça. Donc c'est vraiment très écologique. Et l'avantage, qu'il peut courir avec ça sur toutes les courses. C'est Benjamin Alouche qui a remporté ce trail et Isabelle Lamy chez les femmes. La remise des prix s'est déroulée en présence de Kevin Meyer, recordman du monde du décathlon et l'ensemble de l'équipe de France d'athlétisme. Hectares de nature, le domaine forestier départemental, accessible à nos marmailles.
Ben là, on est sur, sur la route d'Iatacorde, c'est la route départementale 242. Donc, c'est la route qui relie le village de Sillaos au village d'Iatacorde. C'est une dizaine de kilomètres, donc c'est une route de montagne avec tous les aléas qu'on peut avoir sur les autres routes de montagne. Ici depuis 17 ans déjà, et puis la route je la connaissais avant puisque je faisais partie des services communaux à l'époque que la route était encore sous gestion communale, donc la route je la connais depuis sa création dans les années 70. La première phase donc c'était la piste, là c'était vraiment c'était formidable quoi, une première piste pour aller pour rejoindre un village. Après il y a eu donc la deuxième phase, c'était le revêtement de chaussée, le confortement des ouvrages. Après, donc, il y a eu une troisième étape depuis une quinzaine d'années, donc c'était renforcement de chaussée hein, et des travaux de protection de falaise, donc globalement des travaux de sécurisation. C'est un village à vocation agricole, hein. Certains disent même que c'est le grenier de Sillaos. Donc nous avons quand même une forte production de lentilles et puis d'autres légumineux. Hein.